Hey, c'est Alex le serveur, les loulous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas le dernier hôpital? Oh là là là! Si, c'est le dernier hôpital. Dernier niveau. On a personne. De thème hôpital, c'est fou 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 fou. On y est enfin arrivé et il faut qu'on y arrive. D'ailleurs. Donc on va commencer déjà par embaucher les meilleurs médecins. Enfin, meilleurs. Aussi les moyens parce qu'on va en avoir besoin. Les moins pires, on va dire. Faut pas pousser non plus. Allez, des infirmières. On va vite aménager tout ça. Oh là, très bien ça. Ah là là là. Donc on s'en souvient, il faut quand même des statistiques de malades dans ce dernier niveau. Mais on a assez galéré pour arriver jusque là. Pas tant que ça en fait avec le recul. Parfait. Ok. Un bureau, des bancs, distributeur, radiateur, plante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, c'est plus petit ici. Alors, du coup, le bureau, je vais le coller ici. Un petit radiateur là. Hop, des bancs. Les patients doivent tenir prête leur carte de crédit. Eh oui, c'est important les cartes de crédit. Une petite plante. Peut-être remettre un radiateur et un banc. Banc et radiateur. Le début c'est toujours la course et là je mangeais des bonbons en plus en même temps. Pas ça qui va m'aider. Ah, ici les gens vont avoir froid. Tac. Voilà. Très bien. Alors, on peut ouvrir déjà. Ta 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 ta. Hop, on arrive en février. Non, oui, non, oui, si. Allez. Allez, le mois de février. Alors, je vous rappelle le plan, c'est un petit peu le bordel. Il va falloir qu'on. Ouais. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. Alors qu'on trouve un moyen de. Oh là là. Ah, deux chirurgiens. C'est le miracle. Oh, consultant psy. Ah, il y a un petit 109 là. Du 109, c'est bien l'hôpital. Hop, voilà. On va mettre des salles de diag ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hop là. On sort. Très bien. 4 radiateurs. 2 plantes et une poubelle. Car deux secondes, je vais mettre les radiateurs d'abord. Message au patient. Veuillez vous munir d'une carte de crédit. Je vais le retirer, j'en mettrai un à côté de radiateur plutôt. Voilà, je vais mettre là. Les plantes. Et la poubelle. Voilà. Un, deux, trois. Je vais bien le mettre là. J'en mettrai un après, c'est pas grave. On va mettre une deuxième salle de diagnostic tout de suite. Je pense que je vais mettre toutes les salles de diagnostic ici en fait. Ce sera vraiment. Diagnostic Land. Alors 1, 2 3 radiateurs. Plante, plante, poubelle. Je vais mettre un radiateur à l'extérieur en fait. Ah non mais là c'était pas la peine. Voilà.
Plante. Plante. Et poubelle. Voilà. Radiateur. Très bien. 1, 2, 3 bancs. Alors, elle sait pas ce qu'elle a. Faire attendre. Du coup, je peux faire une salle de psy. Alors, psy, c'est moitié traitement, moitié diagnostic. Cette salle a l'air très grande. Ou alors celle-ci. Là, ils vont rentrer là. Voilà. Diagnostic psy. Faisons des grandes salles. Hop là. Oui, bon allez, on va mettre plein de fenêtres. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. 4 radiateurs. Des plantes, poubelles, casier à livre, squelette. On commence par les radiateurs comme d'habitude. C'est important les radiateurs. La mise en place est toujours le plus long. Ça c'est pas obligatoire en même temps, donc on va être plutôt dans le fond. Casier à livre. Voilà, les trois. On va le mettre ici. Hop. Hop. Hop, le squelette. Fauteuil. Ça me paraît pas mal. Voilà. Hop, très bien. Alors, il va nous falloir une pharmacie. Alors, la pharmacie, c'est très souvent utilisé. Où sont les urgences? Les urgences sont là. L'idéal serait que quand même la pharmacie soit pas trop loin des urgences. Ouais. Bah ouais. Est-ce que là il y aurait une entrée? Là il n'y a pas d'autre entrée par là. Bon. Un autre psy, un consultant, on va faire gaffe quand même aux thunes, un chirurgien en soutien. Veuillez ne pas nourrir la vermine, merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bon ok, là c'est des petites salles. Du coup je peux être une pharmacie ici. Je me tâte à la faire plus petite parce que bon, voilà. Et juste à côté, je ferai une petite salle de repos. Ok, 4 radiateurs. Plante, poubelle, plante. Alors. Ah, j'ai oublié des fenêtres. Voilà, près de l'entrée. Hop là. Bon, bon, distributeur. Ok. Bien. Petite salle de repos à côté. Ça peut être pas mal. Petite salle de repos. Alors, je vais acheter donc 2 radiateurs. Les jeux vidéo parce que vraiment... C'est un truc qui relaxe le plus les docteurs et les infirmières. Ok.
Les patients sur la faim doivent passer devant. Les patients sur la faim doivent passer devant. Comme c'est élégant. Oh, que ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà. Peut-être des toilettes ici aussi. Ok, bon. On a une bonne base. Pour mettre une vitesse normale. Voilà. Réputation, c'est pas terrible, hein. Au moins 450. Après, c'est le début du jeu, là. Falloir un département recherche, bien sûr. Une infirmière est demandée à la... Ouais, alors, option... C'est un peu chiant de le foutre ici, déjà, le département recherche, mais... Ouais, non, tu parles, il n'y a pas la place pour autre chose. On va mettre un scanner éventuellement à côté. Ah non, je sais comment je vais présenter les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une entrée supplémentaire. Ouais, ça, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Hop. 1, 2, 3, 4 radiateurs, plantes, bureau classeur. Si j'arrive à tout classer, à tout caser plutôt. C'est pas sûr, hein. Déjà la machine ça prend de la place. J'ai fait la taille minimale là en plus pour la salle. Ah non, je vais galérer. Je vais galérer. Je vais au moins agrandir d'un. Alors on va retenter. Les patients sont priés de ne pas mourir dans les couloirs. Ah bah oui, non, ne mourrez pas dans les couloirs, s'il vous plaît, quand même. Ça se fait trop pas. Pas de place pour deux bureaux, ça c'est sûr. Au moins un chercheur, pierre de golf. Très bien. Faire attendre parce que ça c'est... la chale de chirurgie. Chercheur, chirurgien. Alors j'ai des chercheurs, consultants chercheurs. Ok, consultant chercheur, tu vas vite, vite, vite me chercher. Non, c'est pas là. Là. Du soin. Alors, deux. Deux. Et deux. Et du soin. Priorité. Diagnostic un petit peu aussi, même si là je vais compter sur les consultants pour s'en sortir. Ok, alors pierre de golf. Ça rapporte des sous quand même, ces bêtises. Hein, donc, au moins que je mette la salle d'op là. Et là, la salle. Et ça fait un petit coin diagnostic malgré tout. Je prends un bonbon pour réfléchir. Et ça me paraît pas trop mal en fait comme idée. Ouais. Ou alors, la salle ici. La salle d'op ici. Ouais, je vais faire comme ça plutôt. Du coup, je devrais avancer en fait cette salle. Pas grave. Minute papillon là.
encore plus lent. Je veux pas que le mec qui a pierre de golf se barre. Bon, plusieurs lits, des radiateurs. Une infirmière 5, ça devrait être bon. Des plantes, poubelles. Alors, radiateur, donc là c'est bon. Ici, là, là. Là par contre, il n'y en a pas. Et du coup, en face. Ok. Ah! Bon, attends, si je le mets dans le coin, vraiment. Ah! Ça passe. Ah, ça passe pas là. Hop. Une petite plante. Une petite plante là. Une petite poubelle useless. Tant pis pour la poubelle. Ok. Bon, 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 bon. Distributeur. Ah, mais là, je vais pas avoir la place. Carrément pas la place pour mettre un. Mais y a pas la place. Bouffissure. Ah, faire attendre. Bah oui, non, ça ferme tout là. J'ai mal calculé mon coût. Par contre, je peux faire. Agrandir par là, mais bon, ça fait des dépenses. Là, je pourrais mettre combien? Savoir si j'ai niqué le couloir ou pas. Deux, c'est chiant. Oh là là, mince. Ça m'embête. Hey, doucement. Messieurs Landru et Petiot, veuillez vous rendre à la sortie. Bon, ça passera. Un petit couloir, mais c'est pas grave. Des dépenses, des dépenses, des dépenses. Oh, pitié, dites-moi qu'il y a cette place. Que ça fasse pas trop rabougri. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, je sais ce que je vais faire. Ah, bah non, c'est 5 là. Ah, pas. Ah, bah si, c'est ça que je peux faire. Alors. Ah, bah, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Alors, cette salle du coup là, sort, oh, pitié. Allez, sort, option, vitesse, au plus lent, ok. Merci. Alors, ce département de recherche du coup, je vais le mettre par là. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin de le mettre à côté du reste, hein, on s'en fiche un petit peu. Ok, du coup on va rajouter un radiateur, pouvoir tout réorganiser, 1, on aime bien faire des choses et puis tout défaire après, un autre bureau, ok. Yo, mon chercheur, il est là. Message au patient. Veuillez vous unir. Chirurgien, docteur, consultant, chercheur chirurgien, psychiatre, chercheur. Hop, allez. On y va. C'est parti. Alors. Ok, même punition. Alors, tu perds un comme ça, mais tu gagnes un comme ça. Voilà. Ouf, alors. Ok. Du coup, radiateur. Bon, t'en avais 4. J'en mettrai que 3 là, c'est pas grave. Ah tiens, ça peut être pas mal de mettre le... Ouais.
Squelette d'abord. Le fauteuil. Et du coup, la plante ici. C'est une autre plante d'ailleurs. Ah, ça passe pas. Une poubelle. Tac, ok. Ok, et enfin... Les patients sur la faim doivent passer devant. La salle d'op. Hop. Oui, ça va, il y a assez de place là, normalement. Ok. Je vais... Voilà. Vous verrez pourquoi. Je vais mettre une petite plante en fait à l'entrée. Ce sera plus sympa. 4 radiateurs, un extincteur, 2 plantes, une poubelle. Alors. Fou là 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 là. Allez. Le radiateur. Le lavabo plutôt. Hop, ça. Top, top. Alors, une plante. Ah bah, parfait. C'est pas mal là aussi. Et la poubelle. Tac, voilà. Des plantes pour pas que les gens soient trop déprimés par moment. Bouge! Bouge de là. Allez! Un petit bonbon? Ok. Voilà! Bien. Ah, il y a des gens qui vont se faire opérer, c'est parfait. Ça rapporte beaucoup, je vous rappelle. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Plus beaucoup de sous par contre. Allez, les chirurgiens. 2 chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Bon, il y a de la place pour que tout le monde puisse quand même avoir son petit bureau. Pas de toilette. Il reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais remettre un dernier salle de diagnostic ici. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Mais il faut des toilettes et c'est plutôt central ici, donc c'est pas mal.
En gros, il faut à peu près un lavabo pour 3 toilettes. C'est ce que j'ai lu. Hop. Pas de place pour la plante, c'est pas grave. Voilà. Bien. Je crois que là on est bon pour les maladies de base. On a pharmacie et chirurgie. Et on aura bientôt les maladies spéciales du coup. Peut-être une nouvelle maladie, même on sait pas. Poumon de fer, ça on a déjà vu. Une visite des sous, j'espère, avec. Il faudra bien sûr une autre salle de repos. Attention, oh. Alerte au tremblement de terre. Oh, mais j'ai pas de machine, je suis bête. Enfin, si, j'ai juste là. Ah! Fou rire. 4 personnes, ça va. Ça, c'est chez le psy. Il y a un petit chemin, mais c'est relativement rapide. Le psy doit pas être trop fatigué. Ça va. Ça nous fera des sous bienvenus. Appel de service. Arrivée de patients atteints de fou rire. Attention, alerte au tremblement de terre. Je vais ranger des bonbons quand même. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Contemple la vie. Ah Doc, tu me fais peur. Allez là les fous rires. Je sais pas ce qui s'est passé là. Un petit freeze. Mais 5. Ah mais ça. En plus ça rapporte énormément le fou rire. Une personnalité est parmi nous. Allez. Bon, au niveau de la recherche, ça se présente comment? Ça avance bien. On a encore débloqué. Rien du tout. Ah, c'est vrai qu'on est plus dans les salles de spéciales en fait. Je crois que c'est celle de base. Allez, c'est la période des augmentations. Au moins, on a servi tout le monde. On va avoir un beau bonus. Poilonisme? Avoir reniflé avec dédain à la vue de plus malheureux que soit. Poilonné sidruc, un oiseau peu niché. Une épouvantable potion dépilatoire. Je me souviens pas, c'est du poilonisme. On l'a déjà vu? Pour l'instant, ça tourne. Non, je pourrais peut-être mettre des toilettes. Une salle de repos supplémentaire. Bien, les sous, les sous, les sous, les sous. Au moins une salle de repos. Comme ça, c'est pas mal. Quoique, je pourrais même mettre comme ça, en fait. Et puis là, une autre petite salle devant. Ouais. Là. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Appel téléphonique. Appel téléphonique. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Ok, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Une plante, un sofa, jeu vidéo. Une télé. Alors. Bah déjà, pas besoin de 4 radiateurs en fait. Ouais, je vais les rendre accro aux jeux vidéo.
Voilà. Ah. Problème. Rayon X. Toujours pas. Ok, réputation en hausse, très bien. On a une très belle réputation là, dites donc. On attire pas grand monde par contre. Il est sous au moins moins de 1000. Mmh. Tu vas te reposer là-bas, mais c'est un petit peu loin. Pourquoi pourquoi pas là? Ah, tu t'es... Ok. Ah bah oui, non, mais t'étais là, donc oui, c'est plus près. Alors, je vais peut-être remettre un consultant, par contre, là-bas, parce que ça m'énervait, sinon. Chercheur psy, ça ne va pas. Consultant psychiatre. Ah, ah, si je t'attrape... Ah, ils sont chiants, les consultants. Le docteur Jekyll est demandé en psychiatrie. Toi t'hésites, t'es un docteur simple. Chercheur chirurgien. Moi ouais, j'ai pas assez de... Ah, consultant. Consultant. Voilà. Désolé, hein, j'interromps la consultation et... Ah! Salle spécialisée. Ah, c'est pas sûr. 97%. Rétrostagie, on connaissait. Roupillance, on connaissait. Alors. Plus lent. Je vais réfléchir où mettre ces salles. Pas mal d'urgence aussi, il y a ça. Peut-être ici. 9000, oh là là. Bon. 10000 pour l'achat. Plus 5000 pour la pièce. Et on verra après si je dois refaire un prêt. Pour être tranquille. Oui. Je m'embête. Hein. Ah, c'est bien ça avant, celui-ci. Gonflage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Quatre radiateurs, un extincteur, deux plantes, une poubelle. Hop. Je sais pas pourquoi là il veut pas mettre les... Les plantes, mais pourquoi pas? Voilà. Ok. Fait le virer. Main moite. Bon, ça, on connaît aussi. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Partie 6. Allez. Allez, il y a des sous là. Des sous, des sous, des sous, des sous. Bon, alors. Hyper langue, désolé. On va attendre d'avoir le scanner. D'abord débloquer toutes les salles spécialisées et après on verra pour les diagnostics. Ça va, on paye pas trop en salaire tout ça par chaque mois. Ouais, alors là par contre ça va faire mal. Augmentation de 500. Mmh, on la sent passer. Qu'est-ce que tu veux? Fracture. Salle des fractures, oui. Plus lent. Allez, c'est reparti. Alors, salle spéciale. Fracture. Par contre,
pas de nouvelle infirmière pour ça pour l'instant. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Hop, 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 et hop, et tac. Et bonbon, bonbon lapin. Et on repart en normal, voilà. C'est bon, elle peut y aller, il n'y a personne qui attend pour la salle de toute façon, ou pour la pharmacie, je sais pas. Si, il y en a qui attendent. Bon. 137, c'est pas mal, 137 quand même. Allez. Pour la peine. Ce sera toujours utile. Morpionite. Donc ça, on connaît aussi. Un médecin est demandé en salle de gonflage. 450, ça nous plaît. Ça nous paie le salaire de l'infirmière sur. Allez. Quasiment 3 mois. Rembourser une partie du prêt. Et là, comme on n'a pas eu de mort, on aura droit aux 10 000. Et ça, c'est bien. Score, 752 777. C'est un très bon signe. Triple 7, là. Le plus riche, c'est pas nous. Le plus haut salaire, c'est nous. Les guérisons, on est premier. Décès, 0. Très bien. Valeur, très très bonne valeur. Au double des concurrents. Et les visiteurs, bof. Pas nous le mieux placé. Bon. Ah, on a des problèmes. Les machines, bon, le bug habituel des machines. La valeur insuffisante, on a le double des autres, vous êtes sérieux? Alors, meilleure réputation malgré tout, hôpital très propre, pas de râle, pas de mort, hop, la réputation en hausse, et les dentistes, bah, tu m'as dit, tout ce que je mange comme bonbon là. Allez, on continue sur la lancée. Ouh, la transparence maintenant. Allez là, consultant, diagnostic tout de suite. Voilà, on est tranquille comme ça. Pas besoin de l'envoyer au rayon X. C'est rapide, c'est efficace. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Oh, la pylose. On n'a pas, on l'a pas. Courante, on connaît. Alors, contre la pylose. Pas tout de suite. Faut que ça avance plus vite. Hyperlangue, salle d'hyperlangue. On va faire attendre. Option. On ralentit. Hyperlangue, ok. Et là, pylose. On va faire attendre un petit peu. On va espérer qu'on va le débloquer à temps. Ok, là, on a déjà 3 salles spécialisées. Deux radiateurs, plante, plante, extincteur, poubelle. Allez, méga originalité. Je vais pas remettre un distributeur parce qu'il n'est pas loin. Par contre, je vais mettre une plante. Il en faut dans les couloirs. Voilà. Des beaux couloirs. Hop, vitesse du jeu. Normal. Allez, la pylose, là, ce serait bien. Soin. Ça avance, ça avance, ça avance. Allez, plus vite. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Allez, les chirurgiens. Ça rapporte des Deux sous, la chirurgien. Sont demandés en salle d'opération. Allez, là. Allez. Vas-y. Bon, ça roule bien. Hein. Pas trop de tracas à se faire.
Ah mince, trop tard. Bon, tant pis. On n'a pas pu soigner la pylose. Une petite urgence pour se faire des sous. Peut-être rembourser. Hop, voilà. On n'a pas trop de prêts sur le dos en plus, ça c'est bien aussi. En cas de coup dur, on peut faire un gros prêt. On n'a pas encore eu d'épidémie, je touche du bois. Allez, Aung San Suu Kyi. Ça roule bien, il n'y a pas 36 salles, mais ça va. Alors, ils n'arrêtent pas de râler par contre, ça c'est énervant. Peut-être une salle de formation à terme quand même. Peut-être pas tout de suite par contre. Ah, ah, le mec tranquille, il pose sa banane quoi. Ah, 83 c'est pas mal. Voilà. Calvitie. Eh ben il faut un moumouteur. Hop, je refais un petit emprunt. Moumoute. Moumoute. Moute, moute. Et là, si j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Ça fait un couloir de 2. J'aime pas les couloirs de 2. Si je fais par contre. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non. Pff, je vais prendre besoin de place pour une petite salle quand même. Ce serait un petit peu con. Ou alors je la mets comme ça et j'en fais tac, 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 tac tout le long. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Un médecin est demandé en 4 radiateurs, un extincteur, 2 plantes, une poubelle, comme d'hab. Alors, les radiateurs en premier. Ah. Voilà. Une personnalité fait le tour du bâtiment. Ah, plus de sous. Vraiment plus de sous là. Allez. Pourquoi c'est pas ce médecin là? Franchement, il est juste à côté. Allez, va te faire moumouter. Mout, mout. Et voilà. Une belle mèche à la S-vis. À la S-vis. Une belle mèche. Une belle banane, d'ailleurs, plutôt. Ah, Aung San Suu Kyi. Alors, on s'enfonce un petit peu dans les limbes au niveau financier. Super chaud, mais ça nous fera toujours des économies pour le début. Les gens ont froid. C'est quand même pas pour ça qu'ils osent pas venir. Là, je vais dépenser beaucoup, hein. Je paye le double. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Ouais, chirurgiens et tout, avec ses costales. C'est bien. Allez, faut que ça tourne là, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Ah, ça augmente.
Une infirmière est demandée à la... Oh, urgence, des sous. Encéphalanthiasis. Allez, les 9. Franchement, ça mérite un petit, une petite aide. Mince, je... Pof, voilà. C'est un peu de la triche, mais bon. Au moins pour résoudre l'urgence. Y'a que des hommes hein, qui sont atteints d'encéphalanthiasis. Les femmes n'ont pas la grosse tête. Bien d'avoir un autre médecin. Il y va. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez, des sous! Ah, c'est très mal équilibré. Voilà. Bon, au final, j'aurais pas gagné tant de sous que ça, j'ai l'impression. Hein. Oh, quand même. Bah alors. Ça sent. Voilà, chercheur psychiatre et docteur. Sous mes consultants. Consultants. Tu vas pas me le faire deux fois. Je veux des consultants là-bas. Faire attendre. Ça m'embête ça. Pylose, je fais attendre. 9000. Ouais, au final, j'ai pas gagné tant de sous que ça. Pylose, je ne peux toujours pas. Dégélifiant déjà, tiens, pourquoi pas. Et diagnostic, toujours pas d'autre salle, super. Un consultant dans le coin. Un consultant dans le coin. Hop, les consultants. Super, un mort. Pylose, j'en ai deux. Au revoir, petit ange, parti trop tôt. Les recherches. Diagnostic éventuellement, là. Ah, gélatine. Je peux la soigner. Par contre, ça me coûte cher, ça, la gélatine. C'est 15 000, je crois. 11 000. Bon, ça va encore. Enfin, ça va encore. C'est moins que ce que je pensais. Salle de dégélatination. 1, 2, plante extincteur, poubelle. Extincteur, radiateur, plante, poubelle. Bon. On sauvegarde quand même parce qu'il faut être prudent. Allez. 11 000 quand même, ça fait pas mal de patients pour être rentable. Hein. Bon, si j'ai une urgence. La pylose, c'est chiant. Et rien pour le diagnostic. Bon, moi j'ai des patients, voilà, encéphalanthiasis qui passent, tout ça, ça rapporte des sous. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand monde quand même dans cet hôpital.
C'est un peu compliqué là. Du bol de pas encore avoir d'épidémie. Réputation. Attention, on annonce un tremblement de terre. Bon, ça a l'air d'aller. Sans factice. Oui. Ah, c'est la pharmacie, je crois. Attention, alerte au tremblement de terre. Bon, ça va, ça va être un petit tremblement de terre. Ça va. Appel de service. Arrivée de patients victimes du syndrome du sang factice. Un médecin est demandé en salle de Thaïlande. Oui, ça va être une urgence pharmacie, donc c'est un truc assez simple. Pas du tout. Chirurgie. Oh purée. Traitement chirurgical. Ça, psychiatrie. Le sang factice. Bon. Ok, j'espère que c'est rapide. Syndrome du King, ok. Augmentation, ok. Je vais voir si justement c'est bon. Bon. Ça va, je pense. Oui, on aura le temps pour les 5, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Pylose. Bah oui, bah comme d'hab. Décontamination avant. Bah la pylose, c'est pas une priorité apparemment pour le département de recherche. Polonis, fais-toi vite soigner. Bon, après tout, en même temps, j'ai déjà eu un mort, donc un de plus, un de moins pour l'année. C'est pas ça qui va... Ah, radionite. Encore des dépenses prévues. Salle de décontamination. Radionite, ouais bon, faire attendre. Bon, les urgences, c'est bon. Alors, on va sauvegarder partie 6. Vitesse de jeu, on ralentit. Gros emprunt. C'est la décontamination qui a 15 000 en fait. Ok, et là. Ça va faire juste. Donc il n'y aura pas d'autres salles ici. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Alors deux radiateurs, un extincteur, deux plantes. Je sais pas si je pourrais mettre les deux plantes. Et merci. Hop là. Ok. Oh là là, mais toute cette pylose que je loupe, c'est horrible. C'est pour ça que le jeu il me nargue. C'est bien, merci. Je peux monter à 55 pour l'instant. Oui, bah ouais, pylose, oui, d'accord, pylose, 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 mais bon. Diagnostic, toujours pas de nouvelle salle. Petite fesse, allez, petite fesse, fais-toi soigner, rapporte-moi des thunes. Merde, crevé lui. Ah bah non. Cœur brisé, oui, très bien. Ça sent sale. Sale d'op. Si, si, il est crevé. Maladie des chirurgiens qui vont pas se mettre au repos
quand il faut. Regarde, toi aussi, vas-y. Voilà. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Ça commence à se remplir, à se remplir là, à côté médecine générale. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Ah non, 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 non. Fou rire. Une infirmière est demandée en salle des malades. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Une infirmière est demandée en salle des malades. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Allez, on va éradiquer ce fou rire. Une infirmière est demandée. Oh, le mec arrive déjà, ça c'est mauvais signe. L'épidémie est sous contrôle. Bouletas, super amende, youpi, voilà, connerie. Pylose, ben faire attendre. J'espère que je vais pouvoir passer la fin de l'année avec toutes ces thunes en moins. Oh putain. Ça rapporte pourtant si on arrive. J'ai pas compris pourquoi ça a échoué là. Oh purée, il va falloir faire gaffe. Je vais faire un emprunt à la fin du mois pour être sûr de réussir à passer l'année. Mais c'est pas encourageant. Hein. Je crois que je vais déclarer chaque épidémie parce que sinon c'est trop galère. Ça peut vite être dangereux. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Bon là, bon, y a deux petits sous qui se promènent. Ah, là aussi, c'est bien. Oh, purée. Ça va être chaud. Je crois qu'on risque de... On risque de pas passer l'année. Oh, quoique. Miracle de fin de partie. Plus 4000, plus 4000, plus 29, plus 2000. Ouh! Tout juste, on doit être à moins 2000, hein, je vous rappelle. Là, oh! On va essayer de payer des intérêts supplémentaires, mais toujours bon à prendre au cas où. Ah, ça c'est pas. Ça, c'est pas du consultant. Oh là là! C'est pas du tout du consultant là. Où sont mes consultants? Consultants, ils sont où? Ils sont où mes flashs? Ah là! Consultants, hop! Tac 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 tac. Ok. On peut pas se permettre des erreurs là. C'est mon chercheur. Il est où notre consultant? Ah bah oui, mais il se repose. Forcément, il y a bien un moment. Attendre le seul diagnostic. Bah ouais, mais bon, il n'y en a pas. Si le diag de base. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. Je suis vraiment désespéré. Hein. Je vais la retirer juste après, c'est juste histoire de pas perdre ce gonflage. Ok. Là, je fais des rayons X, moi, la place. Voilà. Consultant. Tout. J'espère que tu vas réussir à le diagnostiquer. Un inspecteur sanitaire est dans l'hôpital. Ouf, docteur, mais va te reposer.
pétomanie, très bien. Consultant. Où est-ce qu'ils sont les consultants? Oh, bah voilà, manque de consultants et ben des trucs. Passe à la trappe. On en est où diagnostic là? Ça avance pas. Ni des soins, la pylose c'est bon. Électrolyse c'est bon. Je sais pas si on aura les moyens de se la payer du coup la fois prochaine, mais au moins. Peut-être une année sans décès ce serait bien, donc désolé. Bien, ça fait une heure, donc... Ah bah, pylose, tiens. Quand on parle de la pylose. Ça fait une heure, donc merci à tous de suivre ma chaîne. Vous pouvez bien sûr laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu. Et puis, surtout, vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur le mélo feu en bas à droite. Et s'il y a d'autres let's play qui vous intéressent, vous pouvez me les suivre. Ah merde, je les suggérer, mais également consulter également la liste complète en cliquant sur la description de la vidéo. Vous avez une liste tout à fait complète de tout ce que j'ai commencé à l'instant T, donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y a près d'une trentaine de let's play différents. J'ai même fait une petite bande annonce pour vous les présenter si ça vous dit aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. J'aurais pas de sous pour construire par contre l'électrolyse. Je suis un peu deg. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Et j'ai pas envie de détruire une autre machine pour, donc je vais devoir patienter. De toute façon, je sais pas trop où je l'aurais foutu. Bon, quoi qu'il y ait de la place quand même. J'espère qu'on va s'en sortir. Je vous rappelle que le début de partie, il faut vraiment engranger de la réputation, puisque petit à petit, les soins, ça rapporte de plus en plus. Donc il suffit juste de serrer les fesses au tout début du jeu. Et après, ça ira mieux. On verra bien. Allez, courage, c'est le dernier niveau, et la suite très bientôt pour Thème Hospital. Salut à tous!